Oui, bonjour. J'appelle pour une information. Je viens de rentrer, puis j'ai trouvé mon chien. Oui, je crois que oui. Puis là, je sais pas quoi faire. Venez vous le porter. Oui. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Ok, oui, j'arrive bientôt. Oui. Merci. Au revoir. Une dernière promenade, Jacob. Vous avez appelé, madame? Je vais vous aider avec la valise. Merci. Alors, on s'en va où, comme ça? Chez le vétérinaire. Au 7655 rue Papineau. Désolé, madame. Vous avez un chien chez vous? Ouais, ouais. Ah, j'aurais eu un chien si j'étais pas allergique. Et c'est quoi son nom? Jacob. J'imagine que vous allez chercher chez le vet. Ben, dans le fond, il est dans la valise. Dans la valise? Ben, pour le transporter, je dois aller porter le corps, donc j'ai pensé le mettre... Dans la valise? Oui. Auriez-vous fait ça à un être humain, madame? Ça te manque de respect pour les animaux, madame. C'est parce que vous croyez supérieur. Ah non, c'est pas ça, là. C'est juste que j'allais l'échapper dans les marches. Dans les marches? Madame! Est-ce que je peux rentrer dans l'auto? Oh, t'as pas ça d'habitude avec les humains, juste avec les autres chiens. OK. C'est bizarre, hein? Mmh.
Bonne journée. Excuse-moi. As-tu besoin d'aide? Non, c'est correct. Non, je vais t'aider. Là, ça va être bien plus facile à dire. Non. C'est correct, j'ai dit. T'es sûr? Parce qu'il reste encore une soixantaine de marches. C'est pas mal lourd, ta valise. Qu'est-ce que tu traînes dedans? OK, fine. De rien. Mais c'est quoi? Tu traînes des haltères? Hein? Non, je viens de finir mon cours, c'est mes livres d'école. Un peu bizarre comme sac d'école. Ben, c'est aussi du matériel d'école, là, des trucs d'ordi, informatique. En tout cas, tu dois pas avoir un petit ordi? Tu vas dire tout le département. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment tu fais pour mettre ta valise dans ton casier, Jean? Tu traînes une grosse valise comme ça tous les jours. Tabarnak.